Aujourd'hui les amis, dans Roblox, on est sur le jeu transport risqué et on va devoir construire les meilleurs véhicules, oula, afin de résister à tous les pièges qui nous attendent sur la route. Et si on veut construire des bons véhicules, il va falloir évidemment gagner de l'argent et surtout transporter énormément de marchandises pour aller le vendre au magasin un petit peu plus loin là-bas. Donc nous pour l'instant, on a seulement 1000$, donc autant vous dire qu'on a intérêt à bien gérer notre argent. Donc je vais essayer de construire une voiture qui fonctionne bien pour commencer à gagner un petit peu de thunes. Donc là pour l'instant j'ai le châssis, on va évidemment mettre des petites suspensions un petit peu partout afin évidemment d'y placer les roues, sinon ça ne fonctionnera pas je pense. Si on reste au sol comme ça, j'espère qu'en mettant les roues ça va rehausser un petit peu ma voiture. J'achète les roues 50. On a déjà plus beaucoup d'argent, mais vous inquiétez pas, on va s'en faire un max. Wow, je crois qu'il y en a un qui a un peu abusé sur les propulseurs, il arrivera jamais à les vendre ses marchandises. Donc là, il me reste que 295 d'argent, donc il va falloir prioriser par exemple les trucs les plus importants, comme le siège, mais surtout il va falloir du fuel, les amis, et des moteurs. Ouais, il me reste que 205, j'achète le moteur à 150, on va le placer à l'avant comme ça. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à placer, voilà, tout ça, c'est ce qu'on va vendre dans la partie cargaison. J'ai deux choses à vendre seulement pour l'instant, c'est pas énorme. Et il nous reste que 55$, alors à la limite, ce que je vais faire, c'est mettre un petit aileron à l'arrière, histoire d'avoir un petit peu plus d'adhérence au sol derrière. Et pourquoi pas, encore un petit peu de fuel, et les amis, on est parti pour tenter de vendre mes deux marchandises. Je ne suis pas sûr que mon véhicule marche, c'est mon premier dans le jeu. Mais écoutez, on va tester ça. Alors c'est parti pour le lancement. Ah, c'est bon, ça l'a réhaussé, c'est parfait. On a joint les roues, je crois. C'est parti, comment ça fonctionne? Donc là, j'ai la possibilité, évidemment, d'avancer à une vitesse plutôt raisonnable. J'ai pas mis de propulseur, quoi que ce soit. Le but, c'est de survivre à la prochaine, à la première livraison. Puisqu'après, ça va se compliquer. Alors, j'ai un petit boost, apparemment. Je vais peut-être pas l'utiliser face aux barrières. Dès qu'on a une petite fenêtre d'ouverture, là, par exemple, entre deux barrières, on y va! Le boost! Ah non, j'en ai pas! Ça vient des propulseurs et malheureusement, j'en ai absolument pas. Alors, il faut trouver une boutique dans laquelle on va pouvoir vendre, du coup, les deux petites caisses et... Oh, attendez. Est-ce que c'est à pas ce genre d'endroit qu'on a la possibilité de les vendre? Parce qu'il me reste que 34 de carburant. Donc, vite! Il me faut un truc. En tout cas, pour l'instant, mon premier véhicule, les amis, est plutôt efficace. Le but, c'est vraiment d'avoir suffisamment de distance totale. Parce que la vitesse, c'est bien, mais faut résister quand même. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de vendre ici? On a dépassé les 1000 de distance. Est-ce qu'il n'y a pas une boutique? Comment ça se passe? Comment je vais faire pour vendre mes trucs? Il me reste que 20 carburants. Faut pas se tromper. En tout cas, on a atteint une vitesse max de 25, les amis. Oh, non, 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 non. C'est bon. Ça aurait été vraiment bête de se bloquer là. Par contre, il me reste 14 de carburant. Alors, je crois que ma voiture a pris des dégâts. Ah oui, c'est ça. On a des dégâts ou quoi? Attendez, regardez. Je suis un peu plus. Oula, oula, oula. Ok, ok, on va éviter d'en rajouter plus. Ma voiture est un peu penchée vers l'avant maintenant. Je sais pas trop ce qui se passe. Je dois avoir quelque chose d'endommagé. Je sais pas trop. Allez. Oh. Est-ce que la boutique va être là ou pas? Il me faut absolument la boutique, s'il vous plaît. J'ai deux trucs à vendre. J'ai un peu de pierre et une caisse. Je sais pas ce qu'il y a dans la caisse. Mais les amis, on y est. J'ai plus de carburant. Alors, vendre. Ah, c'est bon. J'ai la possibilité de vendre apparemment ici. On va faire ça. C'est bon. C'est vendu. Et j'ai gagné 215. Ah, il va me falloir bien plus d'argent. Oh. Mais attends, il va avoir tellement d'argent, lui. Ah non, en fait, les cargaisons, on en a illimité. J'aurais dû en transporter bien plus. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que si je mets plus de cargaison, à mon avis, ma voiture sera bien trop lente. Mais oui, j'aurais dû faire ça, en fait. Bon, je vais essayer, mais je suis pas sûr qu'elle fonctionne, là. On va en mettre partout. Ça ressemble plus à rien. Ma première voiture était quand même très stylée, mais là, malheureusement, ça y est. Les ennuis commencent. Bon, au moins, on aura un toit. Hein. Comme ça, on met ça comme ça. Mais vraiment vivement... Oh, mais lui, c'est abusé. Mais elle fonctionne, sa voiture, ou pas? Non, parce que là, ils font les malins, mais... Je sais pas si... Oh, il est parti dessus. Il va la tester ou pas? Ah non, c'est pas lui. Alors, lancement. Ok, est-ce que je peux aller dedans déjà? Je peux pas aller dedans. Alors, on supprime ces trois blocs là. Et normalement, cette fois-ci, j'ai la possibilité. Oula, c'est un peu compliqué de rentrer dans ma voiture, mais c'est bon. Alors, ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Notre vitesse est ridicule. Eh ben, je me suis bloqué. Ok, très bien, les amis, il va falloir faire bien mieux que ça. Bon, bah, du coup, pour le châssis, on va vraiment pas s'embêter. On va mettre carrément des blocs à vendre. Comme ça, ça sera bien mieux. J'ai. Mais attendez, j'ai 1200. Comment ça se fait que j'ai 1200? Ah, c'est parce que j'ai vendu. D'accord, il faut racheter alors. Donc voilà, là par exemple, le châssis sera vraiment intéressant. On va pouvoir absolument vendre tout le châssis. Alors, par contre, quand on va vendre les trucs, ma voiture elle va tomber au sol, mais tout va bien. On va mettre directement quelques petits trous quand même. Hop, voilà, 4 roues. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'en mettre plus? Non, je pense que ça nous donnera pas plus de vitesse. Là, vraiment, il faut optimiser. Il nous faut un max de vitesse pour le. Pour sans mettre trop de cargo non plus. Cette fois-ci, on va mettre le moteur à l'arrière et on va essayer de mettre la chaise juste là. Nickel. Et on va essayer, les amis. Alors, la pierre, ça vaut plus apparemment que les caisses en bois. C'est bien plus lourd, donc évidemment que ça vaut plus. On va en mettre un petit peu partout. Je vais voir si ça fonctionne comme ça. J'ai peur qu'on soit trop lourd là déjà. Et il nous manque plus que du fuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en mettre un maximum. Comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Bon, il me reste combien là? Il me reste 170. Non, mais lui, il doit gagner tellement d'argent. Attendez, c'est lequel? Comment il s'appelle? Dark. Quelque chose. Ah ouais, c'est le premier là. Oh,
Il a 160 000 dollars, c'est abusé. Bon allez, on va tester ce véhicule. Oh, ça fonctionne. Ah, ça a l'air pas mal. On a 150 de carburant, donc normalement, on devrait aller un petit peu plus loin. Oh, le problème, c'est que je suis tellement large que ça va être difficile d'éviter les trucs. Hein. Non, je suis trop lourd. Donc là, vaut mieux faire comme ça. J'ai enlevé un étage de pierre et on va tester, les amis. Il me reste combien, là? C'est pareil. C'est vrai que la pierre est gratos. Voilà, là, normalement, on devrait aller un petit peu vite. Ça sera un peu plus efficace. Alors, j'aurais peut-être dû plus me mettre en long, franchement. Ça aurait été mieux. Eh bien, il y a intérêt qu'on gagne énormément d'argent, les amis, parce que là, franchement, on atteint. Attendez, mais c'est pire en pire. Ah ouais, c'est vraiment quand tu tournes, tu perds tellement de vitesse. Bon, on fera un véhicule plus optimisé après. Ouais, parce que là, ma vitesse max, je crois que c'est 9. Hein. Vitesse, là, je suis à 8, 9. J'arrive à passer à 9, mais c'est que dalle. En fait, là, ce qui est cool, c'est que... quand... je suis tellement lent. Ce qui est cool, c'est que quand on va vendre tout ça, normalement, on devrait avoir assez d'argent pour mettre des gros propulseurs derrière. Et les propulseurs, les amis, vont être d'une aide extrêmement précieuse. Bon, la livraison se passe plutôt bien. On est presque arrivé. J'espère gagner énormément d'argent. Je veux... en fait, je veux au moins 2 propulseurs. On va tester avec 2 propulseurs après. Et on m'a aussi conseillé... ah, mais attendez, j'aurais peut-être pu le faire. On m'a... si je vends mes suspensions, il y a peut-être moyen que j'ai des propulseurs. On m'a conseillé d'enlever mes petites suspensions. Il faudra juste éviter, évidemment, les obstacles. Sinon, ça sera compliqué sans suspension. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on va arriver au même endroit que notre première voiture, alors qu'on a beaucoup plus de carburant quand même. 3 fois plus de carburant. Bon, évidemment, le poids de ces pierres fait que... on a été au final aussi efficace. On va même peut-être un petit peu doubler. On a fait 2004 tout à l'heure ou 2006, je sais plus. Ça y est, on a doublé. On arrive. Waouh, par contre, j'arriverai jamais à monter ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, non. On est à combien? On est à 170. On va vendre tout ça. Ça y est, enfin. Bam! Oh, waouh. Ok. Oh, je suis monté à 1850. Let's go. On va pouvoir mettre tellement de choses. Ok, alors là, on va optimiser tout ça. Donc, je vais enlever les suspensions, comme on m'a dit. On va voir ce que ça permet de faire. Je vais vendre les roues aussi, comme ça je peux les replacer. Je vais garder le même véhicule avec, en plus, juste les propulsions. Donc normalement, je peux mettre quand même les roues juste là. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Je peux changer de sens aussi. On peut mettre 4 roues qui vont pas dans le même sens. Ça peut être sympa. Boutique. Ok. Alors, c'est ça? Non. Dans le futur, nous aurons des voitures volantes. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Propulseur là, propulseur là. Et alors là, en théorie, je suis censé pouvoir prendre plus de pierres avec les propulseurs. Donc allez, on en remet un peu plus. Mais à un moment donné, on va essayer vraiment d'avoir une machine. Comme celui qui était avec nous là, qui avait je ne sais combien de trucs. C'est abusé. Ah, j'ai oublié apparemment un peu de cailloux là. Voilà. Bon, je vais la tester vite fait. Je vais pas aller jusqu'au bout, je pense. Parce qu'il me reste encore de l'argent, donc on a moyen de faire mieux. On va la tester comme ça. Voir ce que ça donne au niveau des boosters. Attention, c'est parti. Hop, propulsion. Ah ouais, c'est pas très efficace. Pourquoi c'est pas très efficace? Oh, j'ai trop de pierres? Oula, attendez, parce que... wow, la machine d'en face! Attendez, il faut que je la prenne en photo, il me faut la même. Oh non, bon ça va pas, ma voiture va pas. En fait, le problème, c'est qu'il a fait un truc tellement gros que qu'il arrive pas à passer. Hein. C'est ça le truc. Comment ils font, ceux qui ont des trucs gigantesques? Comment... oh, oula. Comment ils arrivent à passer? Bon voilà, j'ai vraiment pas été loin. 593 de distance, c'est que dalle. Oh, c'est pas mal son truc là, tout fin. En fait, faut que je fasse un truc encore plus fin. Je vais vendre. Ah, j'ai même pas la possibilité de vendre tellement j'ai pas été loin. Oh la honte. Voilà les amis, on va essayer un tout nouveau build qui devrait nous permettre d'être plutôt pas mal parce que évidemment, si on veut être très large et passer les obstacles, il va falloir tout mettre en l'air. Donc en fait, je vais mettre un maximum de roues ici et juste après, vous allez le voir, on va mettre toutes les marchandises juste au-dessus. Voilà, comme ça. Ma voiture est pas trop large, donc ça va. On va repartir sur les suspensions quand même. C'était quand même bien mieux efficace. On va en mettre sur chaque roue. Évidemment, comme ça, ça va le faire. Hop. J'espère que les roues extérieures vont fonctionner quand même. Et alors, une astuce apparemment, pour bien fonctionner, les amis... alors, attendez, je vais mettre... oh, j'ai plus beaucoup d'argent. Je vais mettre seulement 2 moteurs comme ça. Une astuce, ça serait de supprimer les blocs inutiles comme ça. Hop, hop, hop. On les enlève tous. Ils ne servent à rien. Normalement, la voiture peut fonctionner. Hein. Le tout, c'est d'avoir un petit siège. Parfait. Il me reste combien? 640. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de rajouter les moteurs parce que vraiment, je vais en avoir besoin. Mais là, il va nous falloir du fuel, que du fuel, je pense. Bon, j'aurais bien aimé avoir celui-là, là, les blocs de carburant. Au pire, si ça ne va pas, les amis, je pourrais réduire en longueur ma voiture, je pense. Je vais rajouter 2 fuels devant. Et là, non, ça va le faire. Il me reste que 100 dollars. Hein. Bon, déjà, sans poids, sans rajouter des pierres, on va voir si elle fonctionne. Oh, regardez la hauteur qu'on a, c'est tellement classe. Regardez comment c'est efficace. On monte à 30... ouah, plus de 40... oh, ok, on est bien. Bon, en fait, j'avais oublié que j'avais juste pas de poids. C'est pour ça que je suis rapide. Bon, on va rajouter quelques petites pierres. Seulement 3 de chaque côté. On va voir si c'est bien comme ça. Attention, lancement. Hop, hop, là-dedans. J'ai accès là cette fois-ci. Ah, c'est bon, je passe. Ok, on a beaucoup de vitesse encore, hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, on n'a pas besoin d'en avoir autant. Donc, on va rajouter encore quelques pierres. C'est vraiment pas mal. Hein. On va pouvoir normalement battre notre corps, j'imagine. Je sais pas, niveau carburant, je suis à combien là? Attendez, je vais mettre des pierres de chaque côté et on va voir ce que ça donne ici. Tant que je vais au moins à 20-30, c'est cool. 20-30 km/h. Allez, vas-y, rentre dedans.
J'arrive pas. Ah, oh, c'est mal fait, ça. Ah, c'est bon, j'ai réussi à m'asseoir, enfin. Et ça y est. Oh, l'efficacité est incroyable. Oh là là, regardez, je suis même à 50. C'est-à-dire qu'on aurait pu monter à bien plus quand on était à vide. Et là, les amis, les choses sérieuses commencent. On va commencer à se faire beaucoup d'argent. Bon, là, j'ai seulement 100 de stud bucks, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ah oui, les bucks, la monnaie de distance, en gros. Mais par contre, mon carburant, il prend cher. Hein. Ah, on va pas battre notre corps. On va pas battre notre corps. Par contre, on va pouvoir le faire une ou deux fois, ce qui va nous permettre d'avoir tellement d'argent. Même pas. Hein. En fait, ce que je vais faire là, c'est j'ai atteint une première zone, on va pouvoir vendre. Peut-être que ça sert à rien d'aller à la prochaine si je suis sûr de pas y aller. Peut-être qu'on vend... En fait, dès que j'ai dépassé la première zone, j'aurais pu vendre, en gros. Si je sais que j'atteins pas la suivante, mais il y a peut-être moyen qu'on l'atteigne. Allez, allez, allez. Oh, ce qui est bien, c'est qu'on passe tous les obstacles. Oula, oula, oula. C'est bon, j'y suis. Allez. Oh, je l'ai passé, je crois. Non, je l'ai pas passé. Je peux pas vendre, ça veut dire quoi? Attendez. Mais non. Mais non. Oh, ça veut dire que j'ai fait toute la course pour rien. Bon, c'est pas grave. Je vais le refaire et dès que j'ai la possibilité de vendre, je vends. Wow, par contre, il faut y arriver déjà. Hein. C'est juste là. Je vends comme ça, on va essayer juste de rajouter un petit peu de carburant quand même. C'est tout ce qui nous manque pour aller jusqu'à la prochaine. Et je vais le faire plusieurs fois pour gagner plein d'argent, les amis, pour avoir vraiment encore mieux. Alors, je vends ça. Ça a marché ou pas? Oui, c'est bon, ça a vendu. J'ai vendu pour... Oh, pour pas beaucoup, hein. Ouais, j'avais pas assez, mais je vais pouvoir en rajouter. Donc là, je vais juste rajouter un peu de carburant comme ça. J'ai la possibilité d'en acheter qu'un seul, malheureusement. Au pire, je prends un petit moteur en plus derrière. Même deux de plus pour aller toujours plus vite. Et là, normalement, je devrais même rajouter des petites... un peu de pierre pour gagner toujours plus d'argent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire cette voiture, de garder cette voiture. Mais attendez, je pourrais en mettre tellement, en fait. Genre, on avait quand même une vitesse assez intéressante. Alors, je vais faire comme ça. En plus, j'ai rajouté des moteurs, donc ça devrait le faire. Voilà, comme ça, on va essayer. Oh, trop bien. Non ! Non ! Non ! Oula. Je vais essayer, mais je crois qu'on a un petit problème, là. Non, c'est bon, ça va le faire, regardez. Waouh. J'espère que je pars pas trop de vitesse, quoi. On est déjà à 30, franchement, c'est pas mal. 35, même 40, ok. Ouais, non, c'est pas grave. Ça tend un peu vers l'arrière, tout va bien. J'ai juste ma petite tête qui dépasse. Mais on est bien, les amis. Le tout, c'est d'arriver à bon port. Oula, oula, oula. Bon, là, normalement... Oh, ouais, je suis à plus de 200 de carburant de base. Oula. Attention. Ok. Là, normalement, quand on va vendre tout ça, ça va être vraiment pas mal. Surtout qu'on va le vendre à la deuxième zone. Voire même peut-être la troisième. Non, je pense pas. Regardez, mon carburant baisse très, très vite quand même. Hein. Ah ouais. Mais en fait, ça... J'ai même peut-être pas accès à la suivante. Et ouais, j'ai trop de pierres. Ça me consomme trop de carburant. En fait, il faut que je remplace tout mon fuel par des réservoirs comme ça jaunes. Ok, faut pas s'embêter, c'est trop risqué que j'aille jusqu'à la prochaine, donc je vends ici. Et on est maintenant monté à 2000. Tu sais, j'ai quasiment vendu pour 2000 d'argent. Hein. Alors là, c'est trop cool. Donc, on peut rajouter les moteurs toujours plus, mais surtout, ne pas oublier de mettre, évidemment, des réservoirs. Je vais vendre mes petits jerrycans comme ça. Alors attendez, parce qu'ils coûtent cher les trucs, donc peut-être que je vais pas pouvoir en avoir 1500. Ah, je peux en avoir que 3. Ok, on va en mettre 3 ici. Hop, hop. C'est toujours mieux que les jerrycans. Et là, normalement, on devrait gérer un petit peu. Hop, lancement. Allez, c'est parti. Il faut absolument... Oh non. C'est bon, c'est pour me stabiliser à l'arrière si jamais je tape la roue. Tout va bien. Et il faut juste que j'arrive à atteindre... Oh, on a plus de 400 de carburant. Mais ça marche tellement bien. Il faut absolument atteindre la deuxième zone cette fois-ci pour qu'on vende plus cher. Je sais pas si on vend plus cher, en vérité. Je pense que si, quand même. J'aurais pu rajouter des pierres à l'avant. Hein. Ah, je suis bête. C'est pas grave. Je suis parti maintenant. On le fera après. On va rajouter des pierres à l'avant, histoire d'équilibrer. Et surtout, de toute manière, on va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça. On va faire une... Je vais rajouter des roues et tout. Oh, ça va être incroyable. Bon, j'ai combien là? J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Oh, je galère, hein. Vaut mieux pas s'embêter, les amis. Je vais vendre ici. Je vais pas m'embêter à aller plus loin parce que là, c'est hyper galère. Après, ça va. Tant qu'il n'y a pas de pont, ça va. Ouais, ça va. Je vais essayer d'y aller. Oh, non, j'y vais pas, j'y vais pas. Retourne arrière. Retourne arrière. Garde ton carburant. J'arriverai même peut-être pas à aller jusqu'au bout là-bas. Donc, on y va. On vend. On est monté à 1920. Bon, j'avais pas rajouté de pierre, donc du coup, j'ai pas gagner plus d'argent. Par contre, on va mettre ça ici. Ça, on le vire, ça, on le vire. Oh, ma voiture est trop bien. Ok, boutique, on met ça et ça. Nickel. Alors, maintenant, il faut équilibrer le tout. Pour cela, eh ben, on va rajouter de la pierre à l'avant. Hein. C'est parti. Ça serait bien d'avoir des indications sur comment se passe l'équilibrage en temps réel, mais je pense qu'on va pas l'avoir. Il y a moyen de mettre énormément, là. Hein. Attendez, je crois que j'ai bouché mon accès. What? Il y en a, ils font des trucs de fou quand même aussi à côté, là. Et ils ont rien compris au jeu, mais je crois qu'ils essayent d'aller sur la lune. Hein. Ah oui, c'est ça en plus. Ah mais attendez, il faut le voir décoller, machin. Et je reprends juste mon siège, il est où? Il était là. Parfait. Alors, niveau équilibrage, on doit être pas mal. Je vais quand même essayer de mettre... Pourquoi pas... qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah là, il nous faut des roues, en vérité. Hein. Des petites roues. On va pas pouvoir mettre beaucoup. Je vais pouvoir mettre deux rangées, je crois. Hop. Comme ça. Ouais, c'est ça. Ça va que ça coûte pas très cher, les roues. Hein.
Et par contre, il me faudrait des suspensions. Ah ouais, si j'ai pas les suspensions, ça sert à rien de le faire. Il faut mettre les suspensions en priorité. Donc là, ah, j'ai plus la possibilité de les mettre, il me faut des blocs. Donc on va remettre un bloc. Il faut que je remette des blocs dessous. Un bloc dessous comme ça pour mettre les... Ah, c'était à côté. Pour mettre les suspensions. Il faut que je vois l'autre décoller, hein. Attends-nous. Ah, je crois qu'il est en train de changer sa voiture. Ouais, parce qu'on a la possibilité de sauvegarder les voitures et d'en utiliser des différentes. Donc ça, c'est cool. J'espère que j'aurai pas trop de déséquilibrage à l'arrière, là. Avec le moteur qui dépasse. On va voir ça. Allez, on teste ça. J'ai plus d'argent. Donc, on y va. Il nous en faut. Hop, je suis entré dedans. Parfait. Oh, c'est pas mal, hein. 700. Waouh, il est trop bien. Il est trop stylé, son truc. Mais ça marche pas. C'est pas efficace, hein. Eh ouais, il est trop à la verticale, donc du coup, il se déséquilibre. Nous, les amis, regardez-moi ça. Un véritable camion, maintenant. Il nous manque un peu de hauteur et on est bien. Là, surtout, mais on a une vitesse. Non. 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 Ah, c'est possible de complètement casser son véhicule. Aïe, 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 aïe. Bon, on va essayer de ralentir un peu. Ben, après, je peux juste rajouter des blocs, hein. Si le problème, c'est que je suis trop lourd... écoutez, les amis... Enfin, trop lourd. Si je suis trop rapide... Ah non, je peux pas les supprimer. Si je suis trop rapide, on va rajouter des blocs et on va essayer de se calmer. Hein. Ça sert à rien d'être trop rapide. C'est parti. Bon, bah là, je vais en remettre toute une rangée à la limite. Hein. Je vais faire comme ça. Hop, hop, jusque là. Bien. Voilà. Tac, 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 tac. Là, on est bien. Hop, 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 hop. Peut-être ça va être trop lourd. Hein. Pas sur le siège, s'il vous plaît. Voilà. Et par contre, il faut que j'arrive à monter dessus hein, pour monter. C'est bon. Ça va le faire. Ok. Je peux en rajouter devant et derrière et c'est bon. Nickel. Comment je monte par contre? Ah, par l'arrière. Eh, c'est important, il faut réussir à monter dans la voiture. Lancement. Let's go. Voilà. Au pire, je pourrais mettre le siège en bas. Hein. Ah non, mais là, il est complètement bloqué, c'est comme tout à l'heure, j'arriverai pas à rentrer. Wow. Mais c'est quoi ce truc de fou encore? Il y en a, ils ont des idées complètement farfelues. Bon. Moi, je suis pour l'optimisation, là. Mince, j'ai rajouté un bloc, on va l'enlever. Voilà, c'est bon, j'ai accès à mon siège, tout va bien. Allez, assieds-toi, s'il te plaît. C'est incroyable, il n'y a pas un bouton pour directement s'asseoir. Au pire, je le remonte, hein. Ouais, je vais le remonter, le siège, pas possible. Ah, c'est bon, j'ai quand même réussi à m'asseoir et. Notre vitesse, waouh, on est ralenti quand même, ça se sent, on sent qu'on est vraiment lourd, mais les amis, il y a moyen d'aller chercher quelque chose, là surtout ne pas se crash. Et quand je vais vendre toute cette pierre, est-ce que vous vous rendez compte l'argent qu'on va se faire? Là je pense que je vais faire au moins 3000, sachant que peut-être je vais pouvoir accéder à la prochaine zone. Alors est-ce qu'on peut se rentrer dedans entre voitures, parce que là on a un problème sur le pont, hein. On a un problème sur le pont, va falloir bouger mon gars, me dites pas qu'on va lui rentrer dedans. Non. Ah mais c'est qu'il y en a un autre devant qui gêne. Oh, c'est incroyable, on doit se taper les bouchons. Alors, attendez, parce qu'il faut pas trop que j'utilise mon véhicule, sinon je perds du carburant. Oh. Par contre, il va falloir que vous laissiez la place, les gars. Voilà, regardez. Regardez. Faites une voiture comme moi. Ah, il a à peu près la même voiture que moi, en vérité, devant. Par contre, moi, mes moteurs, c'est affreux. Hein. J'ai une queue de moteur, quoi. Non, mais laisse-nous passer, s'il te plaît. Attendez, je vais tenter un truc, mais c'est ultra risqué. Oh. Non, il m'a pété une roue. Il m'a pété une roue, celui devant. Je peux passer sur le côté. Non, j'arriverai pas. Oh. Je perds tellement de carburant. Ah, c'est pas vrai. Bon, au pire, je vais vendre là et je vais attendre qu'il passe parce que... Là, sinon, on n'y arrivera jamais. Hein. Oh. Mais le pire, c'est qu'il a des propulseurs. Hein. Pourquoi il avance pas comme ça? Il est trop lourd ou quoi? Ah, il est trop lourd, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, comment on fait? Est-ce que... Oh, attendez, il y a moyen de doubler, là. Ah, mais j'ai perdu tellement de carburant. Attends, non, 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 mais laisse-moi. Pourquoi il vient sur la droite, lui? Ah, il y a peut-être moyen que ça passe. Hein. Je pense que c'est bon. Attention quand même à la petite terre. Waouh, par contre, là, il est parti, machin. Non, il est trop large, il est trop large. Ça y est, il a abandonné. Parfait. 250 de carburant, j'espère que ça va le faire, que je n'ai pas fait ça pour rien, que je n'ai pas attendu dans les bouchons pour rien. Les amis, on va se mettre bien. Attention aux dodanes quand même. Doucement les dodanes. Doucement, doucement. Ok, j'ai perdu toute ma vitesse, mais ça va le faire. On y est. Donc là, on est à combien? On a 100 d'argent seulement. On va vendre et on va être, attention, boum. Wow! 10 000, les amis. Oh, c'est incroyable. Alors, attends, il faut absolument que je sauvegarde mon véhicule. Le money cash. Le money catch, voilà. L'attrapeur d'argent. C'est très bien. 7350. Ah, c'est le prix du véhicule. J'ai mis autant d'argent. Bon, bah là, on doit optimiser et gagner encore un petit peu de taille en arrière. Et les amis, on va mettre le plus de cailloux possible. Quitte à ne plus avoir de vitesse du tout. Enfin, il en faut un minimum. Mais au pire, si je vais qu'à 20 km/h, ça va. Hein. 20, ça suffit largement pour atteindre la fin. Au moins, c'est pas très dangereux. Alors, je mets les blocs pour les suspensions. Voilà, boutique, on y va. Yep, yep. Après, c'est pas la voiture la plus belle qu'on va faire, mais bon, au moins, elle est efficace. Hein. Dans ce genre de jeu, c'est toujours important de faire un maximum d'efficacité. Et après, on verra pour la suite. Alors, ça, c'est bon. On va rajouter moteur. Faut un moteur. Non, c'est bon. Quoique, les moteurs, est-ce que ça vaut le coup d'en mettre sur le côté ou pas? Je pense que ça vaut le coup. Hein. Donc, allez, on va en mettre. Et surtout, il faut que je change mes petits réservoirs, là, parce que ça va pas. Hop, 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 hop. Il me reste deux jerrycans à l'avant. Il faut les virer et on va mettre
les amis, un maximum de fuel. Là, on va pouvoir aller loin. Il faut absolument que j'atteigne la troisième zone. Il faut se dire que mon premier véhicule a quand même atteint ma zone record. Hein. Alors, ok, ça c'est pas mal. Bon, bah maintenant c'est les pierres. Qu'est-ce qu'il manque d'autre? On a les suspensions, on a les roues. Ah, il manque double roue aussi. Ok, c'est pas grave, je peux le faire. Je peux le rajouter. Double roue comme ça. Voilà, toujours plus d'efficacité. C'est bon. Donc, les pierres. Comment ça va se passer là? On va pouvoir en mettre, évidemment. Ici, on va essayer de monter un max. Hein. Alors, peut-être pas trop. Ah, il y a une taille max. Ah, il va falloir partir sur le côté maintenant. Ok, mais c'est pas grave parce que vu que je suis en l'air là, je vais pas taper les barrières et tout. Il y a peut-être des trucs qui sont assez hauts dans les arbres, peut-être, mais on va voir. Je vais pouvoir partir sur la largeur, mais il va falloir quand même garder un peu d'équilibre. Hein. Bon, au moins, je peux remplir ici. Ça, c'est cool. On va essayer de faire comme ça. Hop là, c'est plus rapide. J'ai été trop loin. Ah, mais c'est pas grave au pire. C'est pas grave du tout d'en avoir un petit peu de devant. Attendez, il faut pas mettre s'il vous plaît sur mon siège. Il y en a marre. Il y en a marre de pas pouvoir rentrer sur un véhicule. Ok, j'en rajoute un et on y va. Là, je remplis aussi. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Waouh, quand on va vendre tout ça. Quand on va vendre tout ça, les amis, ça va être le record. Le record mondial du jeu. Non, je pense que les véhicules qu'on a vus tout à l'heure au début du jeu, il y en avait certains qui étaient vraiment puissants. Bon, je vais, voilà, je vais en mettre justement en hauteur. Suffisamment haut pour pas qu'il aille taper quelque chose. Voilà, comme ça, ça devrait le faire. J'ai peur de perdre en équilibre ou quelque chose. Il faut quand même que je teste mon véhicule, là, quand même. Hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Imaginez, j'ai plus de vitesse, là. De toute manière, il faut que je rajoute du fuel. Ok, on va laisser comme ça pour l'instant. On a... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? C'est efficace, on a dit. C'est efficace. Ah non, je les avais virés, les jerrycans devant. Bon, par contre, il faut quand même que j'en rajoute, donc... Ah mince, je peux plus monter maintenant. Non. Ok, faut trouver un... Oh, j'aurais jamais dû descendre. Bon, j'ai trouvé une solution pour monter, les amis, c'est... Pas pratique, vous faites des escaliers comme ça, là. Ouais. C'est bon, parfait. Et vous les enlevez, évidemment. Bon, j'espère ne pas faire d'erreur, mais je vais rajouter des gros trucs de fuel comme ça. Je vais en mettre tout devant, ici. Hop. Directement sur les premiers moteurs. Et je dépense absolument tout mon argent pour le fuel. Et là, les amis, c'est parti pour un nouveau record. Ok, on y va. Bon, toujours un peu d'efficacité, hein. C'est toujours pas très beau. Ah oui, c'est très efficace, ton truc. Ah, ça marche bien. Allez. Vas-y, c'est bon. Ok. Wow. Mais attendez, mais j'ai toujours plus de vitesse en vérité, ça marche très très bien. Il y a un problème de... Oh, attention, de symétrie à l'arrière, mais... Oh. Ok, les arbres sur le côté, heureusement je les ai mis assez haut parce que les arbres, ils touchent limite mes pierres. Hein. Oh non, il y a quelqu'un qui va nous gêner. On arrive. Alors, fais vite. Bouge, mets-toi sur le côté. Vent ici. Arrête-toi. Regardez comment c'est efficace sur le pont. Ça marche tellement bien. Mes premiers véhicules sur le pont, ils galéraient tellement. Ok, on atteint les 1000. La première zone de vente. Allez, objectif, la troisième cette fois-ci. Attendez, j'ai 1200. Ça part vite le carburant quand même. Hein. J'ai tellement de pierres. Après, peut-être qu'un petit propulseur derrière, ça pourrait être efficace quand même. De temps en temps. Là, quand tu passes sur le pont, en vérité. Oula, oula. Va-t'en, vite, 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 vite. Bouge-toi. Attends, je t'aide. Ah, il me fait perdre tellement de carburant. Ok, je passe à droite, s'il te plaît. Ne me recoupe pas la route. Ah, je vais même pas réussir à passer à la prochaine zone, je crois. Oh, non, j'aurais jamais dû passer par là. Ouh, ça passe. Ah oui, je vais pas pouvoir, hein. Par contre, là, quand on va vendre, c'est quelque chose. Hein. Attends, il me reste un peu de carburant. Je vais voir si au moins j'arrive à monter. Parce que c'est peut-être là où il va commencer à y avoir des problèmes. Les montées comme ça. Le biome de la grotte. Allez, je peux monter, hein, ça va. Mais j'ai plus de carburant. Ah, il te reste du carburant, toi? Incroyable. Alors, on est à 220, on vend. On est passé à 30 000, les amis. Ah bah, il me reste plus grand-chose. Oh, attendez, on va tester. Waouh, trop bien, trop bien. On est tellement rapide maintenant. Oh, attention. Wouhou. Allez. Oh, ça fait mal. Et je peux encore vendre apparemment. Ah ouais, la zone, elle va jusque là. Donc si on veut grappiller quelques mètres. Bon, moi, en tout cas, c'est un nouveau record. Je sais pas ce qu'il y a après la grotte. Mais les amis... Ah, ça y est, j'ai plus de carburant. On est extrêmement bien, c'est trop cool. Bon, bah là, l'argent n'est vraiment plus un problème. Je pense pouvoir faire... Waouh, il est stylé, tiens. Est-ce que c'est efficace ou pas? C'est efficace ou pas? Je vais rajouter, du coup, deux rangées de moteurs, comme ça. Il a pas l'air très efficace, son truc, là. Non, mais les propulseurs, c'est surcoté, les amis. Hein. Vous avez vu, il a activé, ça vraiment, ça va pas super vite. Hein. Alors, je peux rajouter un peu. Je pourrais rajouter des roues aussi à l'avant. On va le faire. Je peux même aller toujours plus loin, apparemment. J'avais pas construit jusque-là. Donc là, c'est nickel. Petite roue. Quatre roues. Et je pense qu'on va s'arrêter là, après, pour les roues. On va mettre les suspensions. Les roues, je pense qu'on en a assez, là, quand même. Alors, hop, petit bloc, là.
On va mettre suspension sur celle-ci, suspension sur celle-ci, suppression des blocs, le superflu, on n'a pas besoin. Et alors là, les amis, il va falloir être bon. Je pense que je vais privilégier... Attendez, ah oui, mais ça coûte cher, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, allez, ça coûte très cher. Hein. Je vais privilégier les réservoirs comme ça. 12 000, il me reste 12 000 d'argent, 10 000 d'argent. Je vais en mettre un max. Peut-être que ça va nous permettre d'aller jusqu'au bout de la map. Je sais pas s'il y a un bout. Je pense que oui. Hein. Ah, mais forcément, c'est pas infini, on n'est pas sur Minecraft. Tac, on y va. Ok, ça y est, j'ai mis le max. Donc là, surtout, on a, je pense, assez de moteur pour encaisser un maximum de pierres. Alors là, ce que je vais faire, c'est vraiment, je vais essayer de mettre le plus de pierres possible. C'est peut-être un peu risqué, ça va peut-être pas fonctionner, mais on va voir, on va essayer. Le tout, c'est que, yep, ça puisse avancer au moins à 30, on a dit. 30, c'est pas mal. Voilà, on va en mettre, qu'est-ce qu'il dit? Deng, ça veut dire quoi, Deng? Ah non, je crois qu'il parlait à côté. En fait, je sais pas trop, il a même pas de tête. Incroyable, ça. Alors, qu'est-ce qu'il a à côté, lui? Ah ouais, les propulseurs. Sur côté, les propulseurs. T'as pas besoin, mon pote. Regarde, j'ai fait 100 propulseurs depuis tout à l'heure et ça marche très très bien. On va la mettre la pierre, c'est quand même... Ça prend un peu de temps quand même. Mais j'ai très très hâte de tester ça et surtout de le vendre. Et d'avoir 1 million. Là, je pense que je vais faire 1 million, les amis. 1 million de cash. Ok, j'ai presque fini tout un côté, quasiment. J'espère que j'ai pas laissé de trou. Hein. Non, y'a pas de trou. Y'a pas de trou. Allez, on y va. Bon, mon véhicule mériterait peut-être un petit propulseur quand même. Oh, ça commence à bugger tellement j'ai de blocs. En fait, là, je suis en train de remplir complètement la zone. À part le au sol, parce que de toute manière, ça sert à rien de mettre trop de trucs au sol, sinon tu te bloques. Vous avez le moins de dodane, si t'as trop de blocs, t'es mort. Voilà, on est bien. Et pour terminer, ce côté-là, c'est bon. Bon, j'ai tout l'autre côté à faire, je le fais, les amis, on se retrouve juste après. Je vais quand même en mettre devant. Bon, avant d'en mettre de l'autre côté, je vais quand même faire un petit test, même si là, il y a un gros déséquilibre, ça risque le crash. Je remplis le bloc. On va tester, mais... Hop là, c'est parti. J'ai vu une fusée. Je sais pas s'ils vont y arriver à atteindre la lune. Ouais, c'est bon, regardez, on a encore beaucoup de vitesse là. Ah, beaucoup, ça galère un peu. Hein. Je monte à 33 au max, un peu plus même avec la vitesse après. Oh, non, il va falloir que je remonte maintenant. Attends, vite, avant que les blocs soient faits. Ouais, bah, c'est bon, je suis là-haut. Nickel. Bon, voilà, bah, ça met 15 ans à se mettre. Allez, je mets tous les blocs, les amis, on se retrouve juste après. Bon, j'ai carrément demandé à mon voisin de mettre des blocs pour que je monte chez moi parce que je ne peux plus monter chez moi, les amis. Par contre, j'ai oublié apparemment une petite pierre juste là. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, attends, redescends un peu que... J'arrive... Voilà, parfait, mets-toi là! Nickel! C'est bon. Voilà, il a pas rajouté les blocs, mais c'est bon. C'est efficace, ça marche. On y va. Les amis, on va aller vendre ça. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout de la map. Alors, peut-être pas avec ce véhicule, parce que... ça va être compliqué. Après, quoique, on va tout vendre. Mais c'est qu'on perd tellement de carburant avec cette pierre. Alors, on n'a pas une vitesse de fou, mais suffisante pour... Oh, c'est bon, ça passe. Mais oui, c'est pensé pour. Les palettes, elles passent. Allez, ça passe pas sur l'arbre, par contre. Donc, ah oui, si on veut vraiment battre un record de distance, il va falloir se débarrasser des pierres. Parce que là, le carburant, il prend cher, en vérité. Alors, il y en a peut-être un qui va nous gêner. Alors, vite, on le double. Vite. Oh, lui aussi, hein. Ah, lui aussi, il est pas là pour rigoler, hein. Par contre, il va falloir revoir ton aérodynamisme. Le mec dit ça, quoi. Voilà, alors, son véhicule ressemble à ça. On a dit efficacité. Oh, ça passe tous les blocs. Ah non. Oh, je suis bloqué entre les deux. Aïe. Non, pas ça. Pas ça. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu nous as fait. Alors, si j'y vais lentement, il y a moyen. Ah non, j'arrive pas à toi. Oh, je me suis bloqué. Alors, voici la vue de mon personnage. C'est très. Tout va bien. Je vous avoue, c'est un petit peu compliqué à manœuvrer quand même. Hein. Alors, en fait, ce qu'on avait avant, c'était limite mieux parce que là, il y a moyen de se bloquer quand même souvent. Bon, au moins, j'ai réussi à atteindre la première zone. Évidemment, on ne va pas vendre ici. J'aimerais vraiment savoir s'il y a une différence, hein. Mais j'ai pas envie de tester, on va aller à la prochaine zone. C'est sûr que je l'atteins, par contre, ouais, la grotte, c'est mort. La grotte, c'est impossible. Non, parce que tout à l'heure, la grotte, on y est rentré après avoir tout vendu. Hein. Donc c'est pour ça qu'on arrivait à passer, sinon je pense que... C'est bien trop étroit. C'est bon, c'est pas grave. Aucune conséquence. Ce plot ne vaincra pas ma machine. Waouh. C'est bon. Allez, ça y est, on y est. Vraiment, je ne tente pas la grotte, surtout pas. On vend... Tout ça, je passe de 180$ à... Bam! 88 000. Je pensais que c'était plus, mais c'est quand même énorme. Waouh, par contre, vraiment, quand t'enlèves les pierres, t'as une vitesse et une maniabilité de fou. Hein. Ouais. Je vais essayer d'aller un peu plus loin que tout à l'heure, mais je suis trop long, en vérité. Là, ça va vite bloquer. Ah oui, c'est qu'il y a une autre zone de vente ici, en fait. Ah ouais, j'aurais peut-être pu essayer d'aller jusque-là, alors. Ah, j'aurais peut-être fait les 100K, là. Les 100K d'argent. Allez, go. Ok, je suis à plus de 3000. Hein. Oh, il y a deux chemins. Ok, quel est le moins dangereux pour un camion de ma taille? Celui de droite. Oula. Oh, what? Wow! Ah ouais, mais d'accord, mais en fait, il y a encore plein de surprises dans ce jeu. Bon, je passe. Hein. Je sais pas combien de temps elle met pour revenir la boule, mais normalement,
Voilà, le temps de faire ma manœuvre ne reste pas là. Vite, 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 non ! Non ! C'est pas vrai ! Bon bah j'ai enregistré ma machine, elle fait quand même 47 350 d'argent. C'est énormissime. Et allez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, sauf qu'il va nous falloir un truc plus efficace. Ce serait bien que je puisse enlever toutes les pierres d'un coup, mais... Ou au pire, je pourrais les vendre à la première zone. Ouais, non, on va essayer une autre voiture. Eh, j'aime bien le style de son camion, franchement, il est cool. Alors j'ai trouvé un modèle de F1 qui pourrait être pas mal. On va essayer de le reproduire, ça va pas être simple. Mais ça devrait être très très beau. Parce qu'on a la possibilité, voilà, de mettre les blocs évidemment comme ça. Mais surtout, on a... Attendez, c'est lesquels? Ah non, je crois que je vais pas réussir à faire exactement ce que je veux. Mais c'est pas grave, je vais supprimer ça. On va essayer comme ça. Ça va peut-être le faire. En fait, le modèle de la F1 que j'ai, il est hyper complexe à faire. Non, j'abuse peut-être un petit peu. Oula. Mais en fait, il va falloir se servir de ces triangles-là comme ça. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je suis en train de faire? Non, j'aurais peut-être dû le mettre plus bas, ça. Et ouais, ça va pas, ce que j'essaye de faire, ça fait... c'est pas joli. Mais bon, je vais quand même tenter comme ça. On va voir ce que ça donne. Regardez, franchement, ça commence à rendre sympa, là, franchement. Bon, évidemment, l'aileron, ça va pas être le plus compliqué. Hop, des petites rampes juste là pour l'aérodynamisme. Je n'ai aucune idée de si ma voiture va fonctionner. On va essayer ça. Ah, mais attendez, si je retourne ce triangle-là, on va essayer de le retourner. Est-ce que c'est... Non, mais non, il faudrait le mettre dans l'autre sens. Comment on fait pour l'avoir dans... Attendez, s'il n'y a pas un autre bouton? Ah, c'est bon, j'ai réussi! Il faut appuyer sur T, en fait. Alors, on va le mettre comme ça. Et là, si je fais R, voilà. Non, c'est pas ça. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Ouais, ça, c'est... Voilà, c'est à peu près ça que je veux, je crois. Hop, on le retourne encore. Nickel! C'est pas trop mal comme ça, hein. La petite F1 est prête! Il manque un siège. Ah ben, comme d'habitude, j'ai mis un bloc dessus. Et évidemment, on va enfin utiliser un propulseur. C'est surcoté. Il faut que je trouve de la place pour mettre mon réservoir aussi. À la limite, je pourrais le mettre juste devant le propulseur. Juste là. Je sais pas si on va aller loin avec cette voiture. Alors, je sais pas si c'est beau le réservoir. J'ai peut-être fait une erreur de le mettre là, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, on a vraiment aucun poids. Mais niveau... On va pas avoir grand-chose en termes de réservoir. Ah, ça a retourné mes blocs! Qu'est-ce qui s'est passé devant, là? What? Ah non, ça a fait n'importe quoi, ça les a retournés, je sais pas pourquoi. Oh non, ça fonctionne pas! Ah, je sais pourquoi, c'est parce qu'il faut que je rajoute des blocs de verre, les amis, comme ça, ils ne se voient pas. On les met comme ça, et normalement, c'est lié, et là, cette fois-ci, ça va pas refaire la même chose. Je pense, hein. On va tester ça. C'est parti. Voilà, c'est bon, ça les a pas retournés, voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Petit bloc de glace, ça cache les défauts. Bon, j'ai que 100 de carburant, ça sera pas suffisant. Oh là là. Bon, j'ai mis des réservoirs, mais évidemment, on est devenu bien trop lourd, donc il faut rajouter des moteurs, comme ça. On va voir ce que ça donne. Ma F1 est un peu... Elle est très très bien, ma F1. Elle est très très bien. On y va. Alors. Ah. Oh, mais j'ai toujours le même problème. Ok, il faut que j'enlève le bloc du bas. Bon, ça y est. Ma F1 ne ressemble plus trop à une F1. Ouf. Doucement, doucement, doucement. Waouh, c'est immaniable. En fait, c'est les propulseurs qui font ça. Vite, vite, vite. Waouh, waouh, ok, ça va. Ça va. Allez, on reste sur le côté. Elle est tellement basse que je vais me taper tous les petits dodanes et tout. Je vais me bloquer. Allez, allez, allez. Doucement. Ouh. Là, par contre, le pont, jamais je le passe. Hein. Je vais mettre les propulseurs, mais c'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh là, oh là, oh là. Ah non! Ce véhicule n'est pas optimisé. Bon, bah, évidemment, j'ai repris le vrai camion. Celui qui est bien efficace. Je vais vendre ici. On va voir si ça... Ah oui, ça rapporte moins. Ça rapporte moins que la dernière zone. Donc, allez, c'était complètement logique. On y va. On va essayer de battre notre corps et d'aller le plus loin possible. Il me reste 4000 de carburant. Alors, à la limite, peut-être qu'il faudrait enlever de la pierre au début. Et mettre un peu plus de fuel, mais là... Waouh, j'en ai perdu un petit peu, mais c'est bon, c'est pas grave. Ouais, 3900 à l'entrée de la grotte, franchement, on en a bien assez pour normalement sortir de la grotte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la grotte. Je suis quand même un peu long, alors c'est vraiment pas le plus efficace. Mais les amis, c'est ce véhicule nous a permis d'avoir beaucoup d'argent, donc on va lui rendre honneur. Alors, peut-être qu'il vaut mieux passer par la gauche, du coup, il n'y a peut-être pas de pierre. Après, elle met tellement de temps à arriver que... Ah, c'est à gauche, il n'y avait pas de pierre, je crois. Ok, elle vient juste de tomber, donc en théorie, si je me dépêche... Ah. Ce qui n'est pas le cas. Si je me dépêche, ça va passer. Ah là là. Vite en arrière, vite, vite, vite. D'ailleurs, j'ai mis plus de temps. Allez, 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 allez. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attention quand même à la descente. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Donc là, il y a une autre zone de vente encore. Hop, malheureusement, j'ai plus rien pour vous. Moi, ce que je veux, c'est aller le plus loin possible et battre mon record. Bah, du coup, je crois que on n'avait pas atteint ici tout à l'heure, vu qu'on est mort avec la boule. Attention. Je reprends à droite. Évidemment, c'est le pire. Vu qu'il y a la boule, mais qui vient juste d'arriver. Donc là, c'est bon, on a le temps. J'espère juste qu'elle réapparaît pas plus vite ici. Allez, allez. Faut se dépêcher, là. Faut se dépêcher. C'est bon. Attention à la descente. Ok, alors là, c'est marrant. J'ai l'impression... Ça se répète. Ça se répète. Alors, est-ce que c'est à l'infini comme ça? Ah, j'ai l'impression, hein. Ah ouais, ouais, c'est le dernier biome. Et en fait, ça va se répéter comme ça. Donc, ce qui veut dire, les amis, que nous avons atteint la dernière zone du jeu. On va voir, hein, s'il y a encore une zone de vente juste après la même. Ah, mais c'est galère ici aussi, hein. C'est plein de dodanes.
Allez, 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 allez. Y a pas la zone de vente, donc peut-être c'est pas la même chose. Ouais, là, il y a une autre zone de vente. Bon, bah, je crois que ça se répète à l'infini. Donc, les amis, on a fait le tour du jeu. On s'est quand même bien amusé. Quel jeu super sympa. Je vous le conseille. N'hésitez pas à aller l'essayer. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Red Kill et ciao tout le monde.